Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 14 avril sur l'hippodrome d'Akshevala en Suède. Comme nous en avons l'habitude, effectuons un petit retour rapide sur le quintet de la veille qui avait lieu ce dimanche du côté de Remeu. Eliane Webb, le numéro 7, vole la vedette au grandissime favori, le numéro 5 Sorbet, dans une arrivée essentiellement composée de chevaux en vue où Top Prono et Turf Sélection donnent tiercé, quarté et quintet plus dans le désordre. Moins de gagnants qu'à l'accoutumée du côté du concours de pronos gratuits où Général Pau est le seul à donner le tiercé, quarté, quinté plus, ainsi que les bonnes bases gagnantes et placées. Chapeau à lui. Allez, une fois encore, prenons la direction de la Scandinavie et plus particulièrement de la Suède. L'hippodrome d'Akshevala sera sur le pont ce mardi 14 avril 2020 avec une réunion exclusivement réservée aux trotteurs. Le prix Toscara Pellouane, 9e et avant-dernière course du programme, verra son coup d'envoi être donné à 21h15 pétante. 12 éléments trotteurs âgés de 3 à 9 ans s'affronteront sur le parcours des 2140 mètres du parcours à main gauche, départ lancé à l'aide de l'autostart. Sans surprise, Zatz Hart, le numéro 9, aura nos faveurs. Ce premier atout de la famille Untersteiner sera drivé par Peter, qui ne manque que très rarement sa cible. Alors certes, ce cheval de talent doit s'élancer en deuxième ligne à la corde, mais nous pensons qu'il peut faire le tour de ses rivaux ici. Entraîné lui aussi par la famille Untersteiner, Sam Jones Enzo, le numéro 3, aura également de nombreux fans. À lui de profiter au mieux de sa position derrière la voiture pour battre son compagnon d'entraînement. Minestad Ecuador, le numéro 7, rentre mais est d'emblée déféré des 4 pieds, un signe qui généralement ne trompe pas. Effectant lui aussi sa réapparition, Super Graben, le numéro 6, est dans le même cas et compte bien briller d'entrée de jeu. Attention à Tai Highway, le numéro 12, dont les performances sont bonnes et qui n'est tout de même âgé que de 6 ans face à ses aînés ici. Gun Palema, le numéro 8, femelle de qualité, est en mesure de rivaliser avec les mâles. Sinon partant, il venait à y avoir, accordons du crédit à Dalforno, le numéro 1, qui apprécie les lieux. Bon quintet plus à tous les amis, et à demain pour une nouvelle minute quintée.